Hey, c'est tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Borderlands, pis c'est ça. Donc c'est la suite du premier épisode, que je tourne, à la suite, en fait, je viens de finir le premier épisode, donc voilà, j'ai pas eu de retour, rien, pis s'il y a des retours, c'est déjà insane. Et quoi, qu'est-ce que tu veux? Hein, ok. Bon, bah aujourd'hui on va aller défoncer des bandits. Donc les bandits qui semblent être les acolytes d'un certain Neuf Orteils, connais pas. Bah, en tout cas, vous connaissez pas, moi je fais genre que je connais pas, mais si je faisais le jeu, je l'ai déjà terminé, donc bon. Encore des foutus cags à fourrer, tabarnak. Il y en a partout, ça tu vas t'en manger à toutes les sauces pendant le jeu. Faut t'en dire que les... Meurs. Oh! Hello Superman. Wow, wow, wow. Die. Oh shit. Hein? Mange la merde. Au niveau YOLO, on ramasse l'argent pendant qu'on se fait tirer dessus. J'en ai rien à cause ici. Et ici que je te bute! On va être plutôt cut parce que je m'en coalise. Oh bah tu lui fourris là quand t'as faim et quand t'as été là. Hein, autant y aller à fond. Mais ta gueule! Mais il se fait attaquer par les skags! Il se fait fourrer par les skags, c'est drôle. C'est tout. Bon bah c'est tout. Ça fut... Bah, je sais pas. Je sais pas si aujourd'hui on va arriver à aller buter Neuf Orteils. Je crois pas. Je crois pas que c'est tout de suite Neuf Orteils. En vrai, je me souviens plus. Ça... Genre, j'ai rebattu, j'ai recommencé le jeu, genre. Genre, il y a 2 jours. Ouais, à peu près, il y a 2 jours, et je me souviens déjà plus. C'est fun, non? Même ça qu'on va bientôt... Tant mieux. Il vous faut quelque chose. Hop, donc, bien joué, voilà votre récompense pour... Ce petit travail, quand Neuf Orteils réalisera qu'il est avec l'ici, nous aurons déjà engagé notre prochaine action. Neuf Orteils en contact avec Tika Baha, blablabla, ok. Donc, la tête de Neuf Orteils est mise à prix, mais il ne se laisse pas prendre. On ignore où est son repère. Allez voir Tika Baha dans sa ferme au sud de Firestone. Il est aveugle, mais il connaît cette région comme sa poche. Il pourra peut-être vous aider. Donc, le dude, il est aveugle. Non, mais non, bon, ok, je vais le dire tout de suite, le dude, il est aveugle, il manque un pied, il n'y a pas de chance, ce gars. Bon, manque un pied, je vais vous le montrer, normalement. Oh, putain, je sens que je viens de spoil un truc. Bon, c'est pas un gros truc, là. Bon, ouais. Bon, une chance que je sais pertinemment où est TK. Hey, tabarnak. Hey, ta gueule. Non, bah ben, c'est nice, ça, ta gueule, là, de me tirer dessus, grossement. Hop, le voilà. Toi! Encore un pas et je te bute! T'aurais dû voir la gueule que t'as fait! Ouais, ben tu peux pas la voir toi non plus, t'es aveugle. Regarde, il manque un pied. Voilà. T'en fais pas pour moi, je te défends. Tu peux te débrouiller tout seul, tu vois. Tout va bien. Donc maintenant, vous lui ramenez de la bouffe. Donc, tu faut se rendre.
Mais ta gueule. Ah, de me faire chier. Ah, j'ai envie de checker, mais on checkera ça à la fin de l'épisode, ce que ça fait en hors map. Je me souviens plus. Est-ce que c'est comme sur Borderlands 2? Je me souviens plus. Du coup, on va dire que c'est pas comme sur Borderlands 2. Ah, je vois même pas mes réserves de munitions, parce qu'il y a rien qui les cache. C'est bien. On va se poser récupérer de la bouffe, là. Je pense. Je fouille les tonnes de merde parce qu'il y a des objets dans les tonnes de merde, mais c'est tout. Voilà. Allons-y, c'est parti. Il y a de la bouffe là. Alors moi personnellement je la boufferai pas cette bouffe là. Vu comment c'est là un skag. Voilà, j'ai pas envie de bouffer ça. J'ai pas envie de bouffer ce qu'ils ont volé. Hein. Niveau supérieur. Nice. Mais crevé. Oh, nouveau type de skag, le jeune skag. Bref, pas grave, on le défonce pareil. C'est bon. Mort. Bon, au rapport, moi j'ai juste envie de fourrer une forteil. Alors, en gros, le Forte, c'est un petit peu le méchant de la zone, ok? Tout le monde a peur de lui, nous autres, on va le fourrer en deux coups, je suis sûr. Non, ben pas en deux coups, mais en tout cas, on va bien le fourrer. Ah ah, j'ai des oreilles comblées, le son des cadavres de Sky qui tombent sur le sol, c'est ma musique préférée. Tu m'as apporté de la bouffe, hein? Merci bien. Alors, comme ça, tu cherches la planque d'un forteil. C'est un Sky gueulier. Vu comment tu m'as aidé, ça me fait plaisir de te rendre l'appareil. Ben, merci. Faut voir, oh, putain. Des grenades, c'est parti. On va acheter des grenades. Grâce à vous, je rouvre enfin ma succursale. Allez en ville et achetez-vous un peu de matériel tout neuf. Oui, donc il faut des grenades, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je vais pas. Je vais pas nier des grenades, c'est bien. Mais putain, vous me foutez la paix ou. Merde, non. Tiens. Bon. C'est dans ce bâtiment-là, normalement. Donc, juste. Non. Ah. Nice. Normalement ici on va pas s'acheter des armes. Ce qu'on va peut-être le généralement jamais faire parce que c'est tout le temps des armes à chier. Non. Ça fait plus mal. En plus, il y a un viseur. Ah, oh, bien meilleur viseur que ce qu'on avait. Grenade. Et voilà. On a une grenade, lancer une grenade. Ah, donc, appuyer sur RB pour lancer une grenade, oui. Alors là, faut que je retombe voir TK. Putain. Oh, bien plus efficace. Qu'est-ce qu'on a eu? Ok, non, je pensais avoir vu un truc de haut level. Apparemment, j'ai rêvé. Je vais finir mon montage. Hey, pourquoi
je teste le truc. Ok, c'est bon. Merci. Il y a des trucs qu'un gars peut pas faire sans ses yeux. Ouais. Bon, barricade détruite, cachette de l'arme trouvée, 9 orteils tués. Bon, c'est parti, on va aller fourrer 9 orteils, puis je pense qu'après on va s'arrêter. Donc là, le gars il est aveugle et il peut littéralement pas bouger parce qu'il lui manque une jambe. C'est bien. Ben, il peut pas bouger, il peut pas se déplacer. Oh, le bébé Skag, ça se pousse. On s'en corralisse. À mort l'écosystème. Oh. La musique des fights qui s'enclenche. La mort. Les balles sont peu nombreuses. On va tâcher de... Et hop, on fait péter ça. Et c'est ça. On a entendu l'explosion jusqu'ici. Boum. Faut voir aller faire péter 9 orteils maintenant. Je mets à jour ton système écho en notant l'endroit où il est. Reviens voir quand tu leur as fait exploser les couilles. J'ai hâte de lui exploser les couilles. Donc là, c'est parti, on s'en va dans la nouvelle zone. Skagully. Gully, gully, gully. Skagully. C'est bon. Bon. Bon, donc, Skagully. Donc, cette zone-là, c'est pour beaucoup plus tard. Ben, beaucoup plus tard, non. Parce que là, on peut aller voir, mais on va se faire défoncer. 6. Ok. Vaut mieux pas y aller là de suite. 1, n'est-ce pas? 4, ok, c'est bon. Ça, c'est peut-être genre la zone la moins adaptée du jeu. Okay. Check le niveau 2, là-bas t'as un 4. Cible touchée. Ah, les niveaux 2, on va les cutter. Gueule. Voilà. Oh, dude, ta gueule. Ta gueule. Bon. Merci. Non. Je sais plus du tout par où faut aller. Donc, on va aller essayer de fourrer level 6. Histoire de monter à niveau 5. Parce que, voilà. Je vous rappelle qu'on est level 4. Mais que fuck la logique. Bon, vous avez gagné un point de compétence. Ce type de point vous permet de doter votre personnage de compétences et de spécialisations supplémentaires. Dépensez-le maintenant pour débloquer votre compétence d'action. La compétence d'action de Roland lui permet de déployer une tour Scorpio qui peut l'aider en tirant sur ses ennemis. Votre fourreau corps à corps. Hein? Oh. Elle meurt. Bon bouclier. Bah, meilleur bouclier. Bon. Compétence que j'ai jamais utilisée, donc si je l'utilise vraiment mal. Nous avons une compétence d'action, appuyez sur LB pour utiliser votre compétence d'action après l'utilisation. Elle est indisponible tant qu'elle se recharge. Bon. On a quoi? Ok, je vais regarder les points de compétence hors caméra. Et je vous dirai ce qui, je trouve, me semble le plus intéressant. Donc là, faut s'en parler. Je vais juste aller buter les level 6 pour être sûr d'au moins monter d'un level assez rapidement. Ça marche comment, genre, ok. Ok, moi je pensais c'était genre une tourelle qu'on lançait.
Ouais, niveau dégâts, c'est pas pire. Ouais. Ouais, niveau dégâts, c'est pas pire. Mais ici, on a une cachette d'armes, t'as des armes. Logiquement. Ah, ça, ça peut être bien. Ouais. Vas-y. Ah, encore une arme dans ce style-là. On va voir, si c'est puissant, je garde. Si c'est de la merde, ça dégage. Ah, c'est pas pire. Ça va. Très bon. Oh, des nabos. Nabos, des petits nains de merde. Hop, on prend tout ce qui bouge. Et hop. Bon. C'est parti, mon kiki. C'est déjà la fin du jeu, plus. Pourquoi mon dernier défi de double, on est au début du jeu? Juste au début du jeu, comment ça mon dernier vrai défi? À moins que tu me dises que le reste du jeu il est facile. Putain, je l'ai éclaté. Ah oui, non, c'est vrai qu'il tire pas mal vite en vrai le gun. L'arme, elle tire vite en sacrament. Oh, papi, papi, papi. En vrai, j'ai même utilisé le shotgun. Ok, je t'ai explosé la main, mon gars. Ou le... Non, le bras, plutôt. Pas la main. Après avoir tué une forte, on va se... De toute façon, ça va pas être trop long. Une forte, il y a deux skags de compagnie, genre. En tout cas, il y a deux acolytes. Une forte, il est juste ici. Vous allez voir. Vous allez voir. Ok, donc 9 orteils et aussi 3 burnes. Voilà. Ce fut très bref. Donc là, au-dessus, petit doigt, son skag à coller et index. Ça m'a mal à salle. Et voilà. Ce fut. Extrêmement simple! Bon, en même temps, c'est le premier boss. Tu me diras. En tout cas, on l'a bien éclaté. On l'a éclaté. Alors, en plus, on est même monté de level. Le point de compétence, je t'écris au prochain épisode. Je vais avoir le temps de tout lire, en fait, ce qu'il y a. Et j'ai pas envie de vous infliger cette souffrance de juste moi qui lis des points de compétence. Je regarderai au prochain épisode. Un truc à arme. Plywood sniper. Un sniper, ça c'est bien. Un meilleur sniper. Ici, il y a une autre caisse d'armes, une caisse rouge. Bien, on a des armes ici. Avec un autre sniper. Putain, fermez-la avec vos snipers. Yep, on se fait fourrer. Bon bah, on va retourner au truc. On va dire qu'on a fourré une forte et puis c'est ça. Non, peut-être que je vais reprendre une munition. Tu as franchi la première étape de ton périple. Écoute-moi bien. Mon identité est sans importance. La première chose qui compte, c'est
et que l'arche existe réellement. Les gens... Ton inventaire est plein, appuyez sur Back pour y accéder à partir de votre système de menu Echo. De là, vous pourrez voir tous les objets qu'il contient et vous débarrasser de certains. Désolé de vous interrompre pendant qu'elle parle, mais je m'en calisse un petit peu. Plywood Sniper. Tout ce que je décorise. Ils essaieront de te manipuler. Et tu ne dois pas te laisser détourner de ton but. L'arche est ici, et nous la trouverons. Ce monde est plein de périls. Endurcis-toi et avance. Je t'observerai. C'est weird, ça. Je t'observerai. En tout cas. Non, on va aller revoir Tika, puis c'est tout. C'est Tika ou l'autre qu'il faut aller voir Tika. Ok, c'est Tika. Hein, mourir. Ah, bah moi je ramasse tout, moi je me fais plaisir. Bah venez, venez, battez-vous. Bon, c'est parti. C'est parti. Je pense que je vais juste tourner deux épisodes. Juste deux épisodes, ça devrait être suffisant. N'oubliez pas. Ouais, attends, faut passer de niveau. Voilà. Les points de compétences, c'est ça. Comme. Voilà. On s'en va voir Tika, on va se laisser avec Tika parce que voilà. Boing. Salut Tika. La forte et la récompense. Bon, on va retourner chez Zed. Hey, si t'as besoin d'un truc, n'importe quoi. Ta gueule. Voilà. Bon, on va aller retourner voir Zed. J'allonge l'épisode, c'est bien. Ok. Là, ta gueule. Bon. Ça m'embouche un coin, vous avez eu une portée. Faudra penser à payer votre tournée pour tout ça. Allez voir le tableau des primes au cas où quelqu'un aurait du travail pour vous. Ouais, non, mais je m'en coalise. Et oh. Donc la prochaine fois on ira consulter le panneau des primes. Donc vous avez récupéré un mode de grenade et pratiquement modifié le fonctionnement des grenades. Cherchez attentivement les modes de grenade qui altéreront les caractéristiques ou le fonctionnement de ces armes. Très bien. Donc on va aller. Oh. Mais taille. Bon, voilà, on va se laisser là. J'espère que ce deuxième épisode de Borderlands vous aura plu. C'est comme de mettre un like, vous pouvez vous abonner parce que c'est bien. Et allez bien niquer vos mains maintenant. Allez, ciao!